Hello Tunisia, bonjour la Tunisie. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que nous voyons tout ce qui est en train de se passer en Tunisie. Ce n'est pas caché, que ce soit nous Africains actuellement en Afrique, que ce soit nous Africains actuellement en Europe, en Amérique ou en Asie, nous voyons tout ce qui se passe. La Tunisie devient grave. Ils sont en train de faire la marche contre les Noirs. Regardez ça. Regardez ça. Contre les Noirs, regardez-nous ça, hein? Regardez-nous ça. Voilà ce qu'on appelle la Tunisie, on dit qu'on nous a mené en aventure, regardez, vous allez dire que vous êtes en aventure, c'est vous qui allez nous appeler pour dire que envoyez-moi l'argent, regardez ce qu'on fait. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le général Franco. Je fais cette vidéo vraiment avec les larmes aux yeux. Parce que ça fait pratiquement quelques semaines où je reçois des tonnes de messages de mes frères qui sont de ce côté-là en Tunisie, qui pleurent chaque jour pour la maltraitance, pour tout ce qu'ils subissent. De ce côté-là, vraiment, c'est lamentable. C'est très difficile pour eux. Et je profite dans cette vidéo pour attirer l'attention de mon gouvernement si vraiment on peut faire quelque chose pour nos frères qui se retrouvent actuellement dans des conditions très difficiles en Tunisie. C'est très grave. Les gars vivent vraiment l'enfer. Vraiment, c'est une prière. S'il y a une possibilité de faire quelque chose pour nos jeunes frères qui sont allés en aventure en Tunisie, vraiment, prière de les aider. Cependant, je vais passer un petit message ou un petit conseil à tous mes frères qui partent en aventure tout le jour. Il y a un adage qui dit toujours, nul ne peut être à l'aise ailleurs que chez soi. On ne vous interdit pas d'aller en aventure. Mais prenez quand même la peine chaque fois, chers amis, de choisir le pays où vous allez faire l'aventure. L'aventure est bien. On dit, le Cameroun va mal. Rien ne marche. Chacun veut se chercher. Chacun veut fuir. Entre-temps, ceux qui sont allés en aventure et ont réussi, par exemple, je prends peut-être le cas de nos frères qui sont en Tunisie. Vous n'êtes pas là-bas, ça ne fait pas un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans ou six ans. Peut-être d'autres ont fait même 15 ans là-bas. Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes en Tunisie au Cameroun? Je ne l'ai pas dit pour le Cameroun, j'ai dit au Cameroun. J'espère quand même que vous avez pensé à construire votre maison au Cameroun. J'espère que vous avez quand même pensé à investir dans un business au Cameroun. Parce que quand je demande souvent à mes frères qui sont à la diaspora d'investir dans leur pays, de ne pas oublier leur pays quand tout va bien là-bas, les gars disent que, ah non, un pays d'injustice, un pays de ceci, un pays de cela, on va venir investir ici. Gars, toi-même, tu nous conseilles quoi comme ça et tout. Ça commence en Tunisie. Demain, ça peut être tel ou tel autre pays. Quand tout va bien, personne ne croit. Non, vous mangez bien, vous niassez bien, vous faites tout bien, mais vous ne gérez même pas. Nous ne nous gérons pas quand on est dans la galère ici au pays. Mais quand ça pète, quand ça n'aime, si on appelle les influenceurs, vous êtes au pays, vous ne parlez pas de nous. Nous, on souffre ici. Mais quand ça donnait, on n'appelait pas les influenceurs pour dire que, gars, voilà un petit 50 000, voilà un 10 000 pour passer, tu es resté au pays, tu vois là-bas. C'est quand ça crie qu'on pense qu'il y a un influenceur, il y a les influenceurs dans notre pays qui peuvent nous venir en aide. Alors, pour ceux qui sont encore à l'aise ou ils sont dans d'autres pays, pensez à faire quelque chose dans votre pays. Pensez à investir dans votre pays, les gars, parce qu'un matin, ça peut cuire. Et quand ça cuit, chacun rentre que dans son pays. Hein. Quand ça cuit, chacun rentre que dans son pays. Donc, avant de dire que
Gars, moi, il ne peut pas. Sache qu'un matin, ça peut cuire comme en Tunisie, c'est en train de cuire là. Faites gaffe, les gars. Maintenant, pour ceux qui sont au pays, qui se battent, et chaque jour, on vous voit faire des passeports parce que vous voulez fuir le pays en disant que le pays va mal. Nous on est en colère. Nous, on n'est pas là parce que le pays va bien. Vous avez raison. Le pays ne va pas bien. Mais on supporte. On peut supporter ensemble. On peut faire changer notre pays. Même les pays qui sont développés, où vous courez, vous partez là-bas. Là. Ce sont eux. Ce sont les habitants de là. Ce sont les citoyens de là. Les habitants de ce pays-là qui ont développé leur pays. Si je devais aussi fuir comme ça, aller ailleurs, quel pays devait venir aussi développer leur propre pays où vous partez dedans maintenant pour chercher le bonheur? Cherchez aussi à développer notre pays pour que le bonheur reste aussi dans notre pays. Si tout le monde part, ça va devenir le désert. Quand ça va fuir donc là-bas, nous tous on va rentrer, aménager le désert. Donc pensez à ça. Pour ceux qui mangent encore bien, qui tout mange bien, parce qu'il y a le pognon, pensez à investir au pays. C'est très important. Oui, c'est très important. Parce que quand ça va péter demain, c'est au pays que tout le monde va rentrer se cacher. Et ceux qui partent en aventure, là, ceux qui sont en route pour l'aventure, choisissez un bon pays. Réfléchissez bien. Parce que le tout n'est pas d'aller en aventure, mais c'est d'être à l'aise où on part. Bon entendeur, salut. C'était le général Franco et c'était mon message. Voilà. Mes frères, beaucoup de courage, hein? Beaucoup de courage, ça va aller. Je suis sûr, il y aura une solution. Dieu ne dort. Dieu est là en haut pour tout le monde. Et restez juste en prière. Et que Dieu vous protège également. Beaucoup de courage. Bye bye. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.